Production de vivo plants de bananiers plantains. Première étape. Préparation du site de production. Construire le ou les germoires. Ce sont des infrastructures qui peuvent être soit en béton, donc durable, ou en matériaux précaires. Ne pas le construire à même le sol pour éviter les cas éventuels d'inondation. 0,75 à 1 mètre du sol. Dimension: 1 mètre de large, 3 mètres de long et une profondeur de 35 à 45 cm. Prévoir sur chaque germoire une serre en plastique. Mettre sur l'ensemble un ombrage qui va diminuer de 50% environ la lumière directe du soleil. Disposer sur le site de points d'eau pour l'arrosage. Deuxième étape, choix de la variété et collecte des rejets baïonnettes. Choisir la variété en fonction des objectifs de production et retenir les pieds mères sains. Choisir uniquement des rejets baïonnettes. Collecter ces rejets en évitant les blessures au niveau des bulbes souterrains. À cet effet, utilisez une barre à mine qui est l'outil le plus indiqué. Troisième étape, préparation des bulbes. Parage, à l'aide de couteaux bien tranchants, éliminez les racines et pelez l'enveloppe superficielle qui couvre le bulbe. Au cours de cette opération, retirez les éventuelles galeries dues aux attaques des charançons. Les rejets très attaqués par ces charançons sont systématiquement retirés. Taille des gaines. Enlevez soigneusement toutes les gaines de feuilles en commençant par le bas de la baïonnette. Repérez la racine de la feuille et enlevez à chaque niveau jusqu'au centre de la jeune plante. Cette opération est très précieuse pour obtenir des esplants de qualité. Traitement. Trempez les esplants ainsi obtenus dans une solution de cendre pendant 15 à 20 minutes, puis les étalez dans un endroit sec et aéré pendant 72 heures. Détection des zones de bourgeons. 72 heures après, identifiez les points de croisement des gaines foliaires où se forment des petits bourgeons néoformés et y faire une entaille en forme de croix et ce, jusqu'au sommet où se trouve le bourgeon apical.
quatrième étape, mise en germoire et suivi des bulbes. Remplir chaque germoire aux trois quarts avec de la sciure de bois blanc et arroser copieusement. Décaper à 4 ou 5 cm et poser les esplants, la partie entaillée vers le haut et recouvrir le tout avec une couche superficielle de sciure. Arroser et recouvrir la serre avec la bâche en plastique. Tous les matins, découvrir partiellement la serre pour aérer pendant 5 à 10 minutes. Pendant que la serre est partiellement découverte, constater le manque d'eau et faire l'arrosage au besoin. Après 2 semaines, on constate l'apparition de croûtes à la surface du substrat, signe annonciateur de bourgeons. Après 21 jours, on peut commencer à récolter les jeunes plants jusqu'à épuisement total. En 2 mois, chaque esplant peut donner en moyenne 50 plants. Cinquième étape, mise en pot et suivi des jeunes plants. À l'apparition de 3 jeunes feuilles, les plantules peuvent être récoltées. Avant cela, il faut préparer les pots devant les accueillir. Le substrat est composé d'un mélange de sol, de compost et de la fiente de volaille bien décomposée. Les pots sont disposés sous une ombrière et régulièrement arrosés. Après empotage, il faut encore arroser et ceci selon les besoins en eau. Enfoncez le doigt dans le substrat pour constater le besoin en eau. À 45 jours après, les jeunes plants sont prêts pour être transplantés.